Salut amis et mécanos, aujourd'hui je vous montre dans ce tuto comment contrôler ses rotules de direction et ses rotules axiales. C'est parti. Salut amis et mécanos, vidéo très rapide. Ça va être un flash tuto. Je vais vous montrer comment contrôler sa rotule de direction et sa rotule axiale. C'est vraiment très très simple. Si vous êtes en train de bosser sur votre voiture et que vous avez été obligé de déposer votre rotule de direction, c'est encore plus simple. Je vous montre ça tout de suite. Alors les amis, nous voilà sur le côté droit de la 206. Comme vous pouvez le voir, le demi-train, il n'y a plus. On va en profiter pour contrôler sa rotule de direction et sa rotule axiale. Alors c'est un truc tout bête là, vous voyez. Normalement, une rotule axiale, quand elle est en bon état, elle doit se maintenir d'elle-même, ça veut dire qu'elle doit supporter son poids au niveau de l'articulation. Alors, je vous montre. Je lève. Oh, on dirait une colle à sauter. Eh bien, ça veut dire que la rotule axiale est HS. Si vous prenez votre rotule axiale, que vous la mettez en haut, elle ne doit pas bouger. Ou sinon, de manière progressive. Là, regardez... c'est complètement mort. Enfin bon, bref. Pour ce qui est de la rotule de direction, regardez, un truc tout bête. Normalement, une rotule, quand tu la prends et que tu la bouges, elle doit rester là où tu la mets. Ici, ce n'est pas le cas. Regardez, hop, elle repart. Hop, elle repart en son centre. Hop, hop, elle repart en son centre. Normalement, c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, si la rotule, tu la touches, que tu la mets comme ça, elle doit rester comme ça. Si elle revient sur elle-même, c'est qu'il y a un jeu au niveau du pivot. Tout simplement du pivot de la rotule à l'intérieur. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer, mais à l'intérieur, en fait, c'est une espèce de boule avec des cages en plastique. Une fois que ça commence à s'usiner, ça fait ça. Regardez, hop, 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 hop. Et donc voilà, ça, c'est une rotule HS.